Au centre de Bruxelles, sur la Grand Place. Donc la Grand Place où il y a des monuments d'époque, aussi un bâtiment dans lequel il y a différentes administrations. Donc ici vous pouvez également vous marier. Donc il y a l'échevinat de l'état civil, et c'est également sur cette Grande Place, à l'un des balcons, que l'on peut apercevoir après chaque mariage les couples princiers ou les couples royaux. Nous nous retrouvons ici au centre de Bruxelles pour partir à la rencontre d'un artiste, l'artiste Daddy Waku, qui est en résidence pour l'instant dans une salle connue ici à Bruxelles, The Music Village. C'est une salle qui accueille des chanteurs de jazz et de soul, et pendant tout ce mois de juin et ce mois de juillet, donc, permet à des artistes d'avoir une résidence. Waku n'est pas un inconnu dans la musique. On lui doit de nombreuses compositions. C'est un chanteur de talent, un vocaliste de talent. Et d'ailleurs, il fait partie d'une famille à qui Dieu a donné, s'est dit en se réveillant, on va donner à cette famille un don particulier. Donc il n'est pas le seul à avoir hérité de ce don musical. Mais aujourd'hui, focus sur Daddy Waku, en plein concert au Music Village, donc où il est en résidence pour quelques jours. Thank you. This one was from the Beatles.
Yeah.
Village, nous avons assisté à la première partie du concert de Daddy Waku. Donc il nous a présenté des covers de chanteurs comme George Benson, comme Stevie Wonder, comme Marvin Gaye, mais avec sa touche personnelle. Et pour certaines de chansons aussi, en fait, il ne nous a pas proposé des classiques, donc on ne s'est pas retrouvé en configuration karaoké. Donc bonsoir Daddy. Bonsoir, bonsoir. Alors comment tu te sens après cette première partie? Parce que tu nous as dit hors micro qu'en fait, c'est quand même un concert assez long et c'est une de tes premières fois. Oui, j'ai toujours fait des petites formules. Et donc là, on a eu l'opportunité à travers Music Village de faire des sets plus longs. Et là, on est en résidence depuis hier jusqu'à samedi. Et bon, comme il faut tenir deux sets d'une heure, on a repris des chansons, des classiques et encore des titres que nous on aime, en tout cas que l'équipe avait envie de jouer, parce qu'on voulait aussi se faire plaisir. Donc on a repris des chansons de Stevie Wonder, mais comme tu disais, c'est pas vraiment ce que tout le monde connaît, et j'aime bien cette idée-là d'ailleurs. Donc il y avait des Stevie, des Donny, des George Benson, voilà, genre de morceaux que moi j'adore et que j'aime chanter, parce que vocalement c'est aussi un peu mes références, quoi. Voilà. Donc deuxième partie, on va rentrer dans ton monde, parce que tu vas nous présenter tes compositions. Oui, voilà, parce que c'est aussi une belle opportunité pour essayer, rôder et aussi s'approprier des chansons, parce que bon, là je suis en studio, je travaille sur mon album, mais parfois il y a des morceaux où ça arrive que ça bloque. Parce qu'en studio, on n'a pas toujours le recul nécessaire pour vraiment s'approprier le morceau, voire même avoir... C'est intéressant d'avoir un retour. Donc là, on va jouer 10 titres qui devraient être dans l'album. Et voilà, donc c'est aussi une belle occasion pour nous de faire ces titres-là en live et avoir un retour direct d'un public qui pourra apprécier ou pas les chansons, quoi, voilà. On va pas en dire plus, donc on va écouter le deuxième set et puis on reviendra après pour reprendre tes impressions et parler un peu plus avant de ta carrière, de tes aspirations, de tes goûts. Merci Daddy. Merci, merci. Into my room.
together.
It's been so long since you went away. Some memories remain. Like a rainbow out to the rain. Now I'm alone and sometimes wonder how life could have been with you, mama. Raise me with patience, with distant love. Busy woman traveling the world. The last time I saw you, I didn't get.
Sunday. Sunday. Ah là, je suis vraiment à fond après le set, le deuxième set. Mais une heure s'est passée super vite avec tes compos originales. Oui, hein, c'est bah, tant mieux, c'est que ça a plu. Il y avait une dizaine de chansons. Donc voilà. Le retour a été, je pense, positif. Et comme je le disais dans la première partie, bah, nous, on est contents de pouvoir... tester les morceaux en public pour après mieux les retravailler et retourner en studio, faire quelque chose de plus consistant. Quoi. Mais c'est pas un peu une démarche inhabituelle de tester quasiment toute sa playlist avec des gens avant de présenter un CD ? Non, je pense que c'est pas vraiment inhabituel. En tout cas, moi je connais pas mal de gens qui, dans le cadre des enregistrements qu'ils font pour un album, bon, souvent ils partent sur une base d'une trentaine de titres et souvent ils les jouent comme ça de manière un peu inédite pour un peu tester et puis en même temps faire le tri de ce qui vaut la peine d'être vraiment mis dans l'album ou pas. Dans mon cas, c'est aussi une manière de pouvoir vraiment m'approprier les chansons et au moment de les enregistrer, que je sois vraiment dans une plénitude, on va dire, hein. Vraiment que je puisse les chanter vraiment avec toutes les émotions qui vont avec. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a la phase où le morceau est composé, le texte est fait, et puis on le découvre, puis on le chante pour la première fois. C'est jamais la même chose que quand on l'a chanté 1000 fois. Donc j'aime bien l'idée de le chanter plein de fois pour vraiment le bouffer, m'imprégner du morceau, puis pouvoir l'enregistrer. Et donc voilà, surtout qu'après il y a une autre réalité hein, qui est que les albums aujourd'hui sont téléchargés, ils sont pas toujours achetés, donc si c'est vraiment pour les exploiter, je préfère les exploiter en live et puis les mettre en CD, souvenir ou dans le cadre d'un concert. Enfin, pour le moment on n'a pas de CD d'ailleurs en vente, mais voilà, c'est... C'est une démarche que je trouve constructive, quoi, je pense. Il y a un peu de favoritisme quand même, parce que tu connaissais les paroles des chansons en anglais, et puis là, voilà, français, non, on ne connaissait pas, la chanson n'est pas terminée, moi je ne sais pas, tu as quelque chose contre le français? Non, mais écoute, c'est intéressant que tu me poses cette question, parce que j'ai plein de chansons, la plupart des chansons ici sont des très vieilles chansons, parce que pour ceux qui me connaissent, bon, j'ai beaucoup travaillé pour les autres, je travaille toujours pour les autres, je compose beaucoup et je suis un rat studio, donc je travaille beaucoup en studio. Et donc il y a beaucoup de chansons que j'ai un peu laissées en stand-by à une époque où je ne chantais qu'en anglais. Et donc c'est. Il y a quelques titres que j'ai chantés ce soir qui correspondent donc à une époque. Mais moi j'entends vraiment introduire le français, le lingala. Il y a même un morceau, je dis Nalingio, tu vois. Je t'aime, je vous aime. Voilà. Non, parce que j'aimerais faire des choses qui me correspondent. Bon, on est tous déjà intoxiqués de la musique américaine, mais ma démarche est que, en évoluant, que je fasse des choses qui me correspondent. Donc le français va prendre sa place petit à petit. Et donc là, ça va être, j'espère, un premier album avec des morceaux en anglais. Mais ensuite, faire des morceaux en français, en lingala. Mais après, il faut prendre le temps d'avoir le bon texte. Voilà. En tout cas, ça a été un réel plaisir de te suivre avec ta formation. Donc, clavier, basse, guitare, batterie, c'était vraiment... malgré tous ces instruments quand même assez je vais pas dire bruyants, mais en tout cas c'était quand même assez intimiste comme concert. Bah oui, enfin en tout cas j'ai beaucoup de chance, et ça vraiment je le dis très très sincèrement, d'être entouré donc de mes amis musiciens, parce que vraiment on a une démarche
qui est vraiment constructive, musicale. Donc il y a Fabio, donc, qui est le directeur musical, qui co-réalise l'album avec moi. Voilà, qui est vraiment la personne sur qui je peux compter. Et j'ai aussi Michel, Ulf, qui sont aussi mes acolytes depuis maintenant quelques années. Et vraiment, on a tissé des liens d'amitié très très forts. Vincent nous a rejoints et je pense qu'il est très vite rentré aussi dans l'aventure avec la bonne attitude, le bon esprit. Et voilà, je crois qu'on va faire beaucoup de choses ensemble, grandir ensemble et évoluer dans cette musique qu'on aime tous, quoi. On ne vous souhaite que cela. En tout cas, merci beaucoup, Daddy, de nous avoir reçus ici au Music Village. Super concert. Et donc, tu es encore en résidence pendant quelques jours. Et sinon, on attend de pied ferme l'album. Ah, oui, d'accord. Hein. Mais je prends mon temps, hein. Ça, c'est sûr. Mais voilà, je compte surtout faire des apparitions live. Parce que je pense que c'est vraiment là que les choses se font. Et l'album, naturellement, va s'enregistrer aussi, pas suivre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc nous étions donc ce soir au Music Village pour participer au concert de Daddy Waku, donc un concert de quasiment 2 heures avec une première partie de cover de chanteurs soul, jazz, bien connus, on l'a dit là tout à l'heure. Et puis la deuxième partie de composer de ses chansons originales, donc un artiste à suivre. D'ailleurs, si vous faites attention et que vous regardez les crédits de différents albums de chanteurs français, et vous pourrez voir donc son nom, parce que comme il l'a dit dans l'interview il y a quelques minutes, il travaille beaucoup pour les autres et il continue à travailler pour les autres. Mais voilà, on va continuer à le suivre. C'était Just Follow Me to Music Village ce soir, featuring Vingout Télévision. À très bientôt.